Non, 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 je ne fais pas la sieste. Non, je ne dors pas. Eh oui, je travaille. Ouais. Vous ne me croyez pas? Eh bien, si. Lionel Coquet de Cinob, expert en literie, en oreiller, en matelas. Qu'est-ce que je fais? Ben, je viens ici à l'usine. Je suis dans une des mes usines, un fabricant qui est aujourd'hui en Espagne. Donc, je suis en Espagne. Je fais les essais, les achats et je vais vous présenter un oreiller qui est très, 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 très bien. Pourquoi? Ben, pour différentes raisons. Les oreillers, ben, on connaît tous les oreillers classiques standards. Là, ici, on a un oreiller qui est très bien, que je commande pour ramener au magasin, parce que j'ai déjà eu des bons échos de mon fournisseur et des essais. On est sur une matière très naturelle qui est le capoc. Est-ce que vous connaissez le capoc? Eh ben non, sûrement pas. C'est une variante du coton qui existait il y a bien longtemps, mais qu'on a pu utiliser parce que c'était moins cher et que on pouvait peut-être pour certains faire plus d'argent avec. Sauf qu'au final, eh bien, c'est très polluant. Beaucoup d'arrosage et tout ce qui s'ensuit. Donc là, ce matériau, le capoc, pousse et se récolte 2 fois par an. Peut-être ça peut varier d'une partie du monde à l'autre, mais 2 fois par an, le capoc est récolté. Pas d'irrigation, pas d'engrais, pas de pesticides. C'est naturel, ça pousse naturellement. Donc pour ceux qui sont sensibles, bah, on propose ces produits-là. C'est agréable, c'est cocooning, donc c'est bien pour vos cervicales, pour bien dormir, pour bien s'endormir et passer une nuit importante. Donc voilà pour ces oreillers. Ils sont disponibles chez Cimob La Pierre de Bresse en Bourgogne, entre Lyon, Mâcon, Besançon, Dijon, Annecy et voilà, en gros les villes. On est indépendant, pas de centrale d'achat. Donc on l'achète directement, donc il n'y aura pas d'intermédiaire, ça sera moins cher, personne ne va venir se servir au passage. Eh bien oui, tant pis pour certains, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. Donc voilà, on vous fait profiter, faire connaître des bons produits pour votre confort. Donc likez, partagez, ça peut faire un beau cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël ou d'offrir quelque chose qui va être en... Ça se manger en 3 minutes ou se boire en 3 minutes, bah écoutez, ça c'est un cadeau durable. Un oreiller, ça dure à peu près 3-4 ans suivant l'usage et suivant la transpiration. Le conseil, c'est de changer ses oreillers, hein, tous les 3-4 ans parce qu'en termes d'hygiène, hein, on ne se verrait pas garder pendant 6 mois la même chemise, quoique certains ont essayé, je crois. Mais pensez à changer votre oreiller. Allez, je vous dis à très bientôt, merci.